tous, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo de ma manga tech, ça remontait à août 2016, et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en refaire une, sachant qu'entre temps, il y a plein de choses qui sont passées. Déjà, j'ai déménagé, parce que ça, je sais pas si vous avez qui savait, sauf que j'avais eu des problèmes de wifi, c'est pour ça qu'il y a des moments où je pouvais pas trop être présente sur YouTube. Et donc, c'est pour ça aussi, voilà, que j'ai tout organisé ma manga tech. Sachant en même temps qu'il y a eu mon anniversaire aussi courant novembre, il y a eu en décembre, il y a eu Noël. Et encore là, ça veut dire que je fais une vidéo de ma manga tech, sauf que je devrais attendre encore un peu, je pense, parce que j'ai de nouveaux arrivages prévus, comme mardi. Je vais recevoir un artbook normalement et deux figurines avant le mois de février, il me semble. Entre janvier et février. Et puis je vais avoir un cosplay aussi, mais ça c'est compliqué, vous en parlerez sûrement. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais reculer un peu parce que le zoom de la tête est un très fort, comme trop proche. Alors ici, vous avez toujours ma pulipe, donc qui est toujours. Voilà. Je vais juste rajouter ça, que c'est mon café assez moche, je sais. Et un peu Buffalo Grill que j'ai. Buffalo Grill, c'est une seule façon de produire. Donc voilà. Et donc, on va commencer. Alors, c'est bizarre, je commence par le bas, mais c'est parce que vraiment, je ne sais pas cette case-là. C'est la case un peu la mieux rangée, on va dire. Non, c'est pas la mieux rangée. Donc, ici, vous avez. Je vais juste la décaler un petit peu, le temps de vous montrer. L'intégralité de Tokyo Ghoul, donc série à jour, j'attends le tome 7 qui est censé sortir en février, il me semble. L'artbook, vous pouvez voir. Attendez, je vais juste bouger ça. L'artbook Tokyo Ghoul Zaki. Et mon agenda, qui normalement n'est pas censé être mis là comme c'est mon agenda et que je l'emmène en cours, mais que j'avais mis pour vous montrer, pour montrer que je l'avais quand même. Donc c'est chez Glénat, hein, j'ai juste Tokyo Ghoul de chez Glénat, hein, j'ai rien d'autre. C'est pour ça qu'ils sont tous celles-ci. Donc maintenant, on va reprendre un peu en ordre, c'est-à-dire que je vais recommencer en. Ouais, j'ai oublié de montrer ma boîte aussi, de l'une de mes figurines, de Lynn, Liel. J'aime beaucoup les figurines. Je vous les présenterai sûrement quand je les aurai toutes, sachant que j'ai prévu de toutes les avoir, que j'en ai deux qui vont arriver, c'est ces deux-là. Et deux que j'ai déjà, mais que je n'ai pas là parce qu'elles sont chez mon père. Donc, que je devrais ramener en février, du coup, parce que c'était pas arrivé pour Noël. Oui, je raconte un peu ma vie, je sais, c'est compliqué. Bon. Vous pouvez voir aussi qu'il manque certaines choses, vous verrez à la fin, il manque genre par exemple ici une trémasse de Kaneki. Parce que comme je l'ai dit, je suis en déménagement et du coup il y a certaines choses que je n'ai pas pu garder pour le moment, que je récupérerai dans quelques mois. Donc on va passer ici parce que voilà. Parce qu'on reprend un peu par ordre, on va dire. Alors ici vous avez la boîte de laine, donc qui est plus dans les tons jaunes, là. Je comprends pas pourquoi en fait, mais je sais que c'est plus le orange c'est ligne et le jaune c'est laine, voilà. Alors ici vous avez le tome 1 de King's Game. Voilà, très bonne série. Enfin, j'ai lu que le premier tome, mais. En fait, j'aime beaucoup l'histoire, sauf que j'aime pas trop le dessin, c'est pour ça que j'ai pas trop acheté la suite. Les trois premiers tomes. Enfin, les trois seuls tomes de Anohana. Le premier tome de Mirai Nikki, que j'ai pu acheter, vous pouvez voir, il est beau. Mirai Nikki Paradox. Assassination Classroom, tome 1, série que je continue parce que j'aime beaucoup et que j'ai toujours pas le temps de continuer. Black Butler, les deux premiers tomes. Voilà. Que je suis toujours pas une grande fan. Death Note, les 4 premiers, et ici vous avez le 5, le 6, le 7. Ceux qui sont comme ça, c'est ceux que je n'ai pas encore lu parce que je n'ai pas eu le temps. Par exemple, ces deux-là, je les ai eu à Noël, et du coup, celui-là, je ne peux pas le lire quand je n'ai pas le 5 et le 6. Ici, c'est le Death Note, donc le cahier de la mort qui est dans sa boîte. Les 3 tomes des Enfants Loups, les 3 tomes de Platinum End, donc j'attends la suite de la série avec impatience. Qui est il, premier tome, et le numéro 63 du magazine Coyote, que comme j'ai pris le train, bah, je l'ai acheté. Voilà, enfin, l'heure de l'acheter plutôt. C'est compliqué. Donc ici il n'y a pas vraiment d'édition particulière parce que souvent c'est un peu rangé par édition et moi ici c'est un peu un truc rempli de plein de choses parce que il n'y avait pas assez pour faire toute une case. Donc on va passer à côté. Donc ici il y a tous les Full Metal, les 27 tomes ici du 22 au 27 et là du 1 au 21, pardon. Ici il y a les deux mondes, donc là il y en a une ici qui est celle que je mets tous les jours, c'est très belle n'est-ce pas. Et la montre d'alchimiste d'état. Les deux artbooks qui sont ici, donc l'artbook en français, celui en japonais, du coup celui en français est aussi chez Furukawa, mais celui en japonais pas chez Furukawa. Après ici on a d'autres mangas que je n'ai pas lus, Hunch le premier tome et les 5 premiers tomes de One Punch Man, que je lise. Oui j'ai acheté 5 tomes, j'ai jamais lu, c'est pas grave. Après, en haut, vous pouvez voir chez Kurokawa, il y a les deux premiers tomes de Wolf Girl and Black Prince. Voilà. Et Orange, le tome 1. Très bonne série, Orange, qu'il faut vraiment que je continue dès que j'aurai le temps. Après, ici, donc la dernière
Oui, ici à mes cours, c'est beau. On va continuer ici. En fait, j'aurais pas dû m'asseoir par terre, je suis cruche. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer celui-là, c'est ce que j'ai pas lu. Donc ici, on a les 3 tomes d'Another, donc 2 à 4 que j'ai pas encore le temps de lire. Les 4 Fairy Tail, donc en fait, les 3 là, 9, 19 et 45, c'est parce que j'ai trouvé 2 cases. Et ils étaient à 5€, donc 5€ le manga, ça me faisait 15€ les 3, je les ai pris. Après, ici, on a Fairy Tail Plus, qui est un sort de truc rempli de bonus. Fairy Tail Ice Trail, un des spin-off. Donc il y a que 2 tomes, du coup je les avais achetés quand ils sont sortis parce qu'ils sont sortis le même jour. Après bon, on va se lever histoire de montrer. Ouais, je sais ça tremble, je suis vraiment désolée pour ça. Mes 2 figurines, donc de Lynn et de Lenny. Attention, elles sont belles n'est-ce pas? Oui, c'est un truc qui a changé en quelques mois, je suis devenue fan de Vocaloid, mais c'était ça. Alors maintenant je vais les mettre comme ça histoire de mieux. Non, on voit pas avec ma lumière. Alors ici vous avez j'ai failli tout faire tomber. Fairy Tail 0, Fairy Tail 1, 4, Fairy Tail 50, édition limitée, 50, 51, 52, 53, 54. Oui, je passe du 4 au 50, moi je suis comme ça. Fairy Tail 7 Stories, donc, qui est un spin-off aussi. Fairy Tail donc l'agenda, donc celui-là c'est bien le mien, hein, c'est parce que ma soeur, vous avez pu voir, donc, c'est le mien, il est tout neuf. Regardez, il est beau, il est neuf, il était tellement beau que je n'ai pas voulu le prendre en cours. C'est pour ça que j'ai pris Tokyo Ghoul qui est déjà en train de se faire massacrer. Parce que les agendas, ça se fait massacrer, mais j'avais pas compris. Mais... on va les ranger. Voilà. Les 50 cartes postales données avec l'édition limitée et Another tome 1. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces 4 cases. Je vais m'asseoir comme ça, vous pouvez avoir une petite vue d'ensemble. Donc un peu, c'est voilà tout ce que ça a regroupé en quelques mois de temps, enfin tout ce que j'ai réussi à regrouper. Il y en a 102 au total, parce que j'ai compté, sans compter les artbooks, les agendas, les trucs en série, il y a 102 vrais mangas. Après, si on rajoute les artbooks et tout ça, ça fait un peu plus, mais j'ai la flemme de compter. Je vous ferai sûrement une vidéo d'ici quelques mois pour un peu mettre à jour, parce que déjà, je sais qu'il y a le tome 55 de Fairy Tail qui sort dans des jours, donc ça j'irai forcément l'acheter. Ainsi que mes figurines qui vont pas tarder à arriver, mon artbook qui arrive dans quelques jours également, mon artbook donc dès qu'il est gaminé, oui parce que je suis une grosse fan de Lynn. Je vous ferai sûrement une vidéo sur toutes les figurines Vocaloid quand je les aurai, histoire de vous les présenter d'un coup et faire plein de petites vidéos parce que je trouve ça un peu débile. Je la ferai sûrement courant février je pense, parce que c'est là que je devrais récupérer celle de Miku et de Kaito. J'essaierai de vous mettre une photo si j'y arrive. Des boîtes, parce que j'ai juste reçu une photo des boîtes par mon père qui les a et qui refuse de me envoyer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est déjà 40, enfin plus de 40, je crois qu'on est 41 et genre je trouve ça déjà énorme. Enfin, on dirait pas, mais pour moi, c'est déjà génial d'être arrivé là. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo qui sera sûrement une critique. Je sais de quel manga je veux parler, enfin de quel animé je veux parler. Sauf que, j'ai pas trouvé le courage de faire la critique encore. Donc voilà. D'ailleurs, à la fin de la prochaine critique, normalement, vous pourrez voter pour la critique suivante. Entre deux animés que j'ai terminé pour l'un et presque terminé pour l'autre. Donc voilà, j'espère vous retrouver très vite et bye tout le monde!